9 999 996 9 999 997 9 999 997. C'est bon, tu vas pas tous les faire non plus. Serveur, champagne s'il vous plaît. 98 99 99,5. Attends, pourquoi ça bloque là? Il n'y a pas de 4G ou qu'est-ce qui se passe? Ouais, on va annuler le champagne en fait. John Rush, abonne-toi là. Mais je suis déjà abonné, t'es un ouf toi. Hugo, abonne-toi s'il te plaît. Pareil. Ok, je reviens. Norman, tu vas où? Bienvenue chez YouTube. Welcome to YouTube. Marhaban, bekum for YouTube. Bonjour, je viens vous voir parce que j'ai un pro. Angel Phoenix? Non. Ah si? Non. Ah, c'est sûr, hein, t'as vraiment son visage en fait. Ah non. T'as vraiment sa tête posée sur tes épaules. Bon, ok, tu m'as cramé, je travaille ici, mais tu vois, YouTube ça paye pas très bien en ce moment, mais par contre ça reste entre nous. Promis. Écoute, j'ai un problème, ma chaîne YouTube est bloquée à 9 999 999 abonnés. Y'a des gens qui meurent de faim dans le monde et monsieur a 10 millions d'abonnés sauf que son compteur est bloqué, et ça, c'est un problème? Ouais, non, y'a des problèmes plus graves, mais bon, c'est quand même un petit problème quoi. Enfin, moi je trouve que c'est un petit problème quand même. Bon écoute, tu vas aller au 14e étage, au fond du couloir à gauche, il y a le laboratoire de celui qu'on appelle chez YouTube le spécialiste. Ok, merci. The specialist. Yes. Der Spezialist. D'accord. El Specialist. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Ok. Bonjour, je viens parce qu'en fait j'ai un problème je avec... Je ne parle pas aux youtubeurs. Désolé, je ne peux rien faire pour vous. Maintenant laissez-moi, j'ai du travail. D'accord. Écoutez, il paraît que vous êtes le spécialiste. Moi, le compteur de ma chaîne YouTube est bloqué, je sais plus quoi faire. À combien? 9 999 999. Vous avez dit combien? 9 999 999. Combien? 8. Non, je rigole. 9 999 999. Redites-le, j'ai pas écouté. J'ai dit 9 999 999. Bon bref, 10 millions quoi, 10 millions moins 1 quoi. Oh mon dieu, c'est un bug rarissime. Une interférence dans l'algorithme de YouTube. Et oui, quand il y a trop de 9 pour le nombre d'abonnés, le processeur du serveur freeze. J'avais anticipé la chose il y a quelques années quand j'avais mis au point le code source YouTube. Ah, j'ai pas compris. Bah, tu as vu Matrix 2? Ouais. Bah, c'est à peu près pareil. Ah d'accord. Tu as aimé? Oh, je trouve que le scénario il est pas mal après. Tu as vu le bronze 3? Bon bref, comment on fait pour remédier à ce bug? Il y a une solution, mais c'est très risqué. La seule façon de remédier à ce problème, c'est qu'on pénètre dans ta chaîne YouTube et qu'on la débug nous-mêmes. Si on y arrive, youpi. Mais si on échoue, ta chaîne YouTube sera à jamais supprimée. Oh là là, la chaîne Norman a disparu. Ok, attendez. Oui, bonjour, Pôle emploi. J'avais une question. Quel métier je peux faire si tout d'un coup j'arrête YouTube? Aucun. Ok, merci. J'accepte. C'est quoi ça? Ah ça, c'est un rat. On essaie de lui faire bouffer 3 semaines de tendance pour voir s'il résiste. Et ça marche? Norman, es-tu prêt à pénétrer dans ta chaîne YouTube? Ouais. Alors suis-moi. Voilà, l'entrée du conduit ultradimensionnel se situe ici. Mais non, je déconne. Regarde. J'ai conçu cet appareil il y a quelques années, mais je ne l'ai encore jamais utilisé. Non merci, j'ai pas faim là. Là, j'ai envie de tout sauf d'une tartinerie. Mais non, abruti, c'est ça l'entrée de ta chaîne YouTube. Oh. Ok, Doc. Je peux vous appeler Doc? C'est quoi votre nom? Jean-Emmanuel Richemont. On va rester sur Doc, hein? Comment on fait? Tu appuies là-dessus et attention les yeux. Je vais y aller. Pour l'instant, c'est pas ouf, hein? Norman, on est arrivé là. Ah pardon. Eh oh, y a quelqu'un? Un truc que je sais personne. Norman, bienvenue dans ta chaîne YouTube. Ah ouais, c'est vraiment mieux que celle de Squeezie. Enfin, je suppose. Bon, je vais chercher où est le bug. Et on peut rentrer comme ça dans Newport, par exemple? Ça m'intéresse.
tout cas, j'encourage tous mes potos vendeurs et vendeuses parce qu'ils font un métier pas évident. C'est bizarre, je trouve pas de traces de bug ici. Bon appétit. Merci. Mais attends, t'avais pas cette banane en arrivant? Bah non, j'ai pris sur mon bureau. Pas sur mon bureau dans une vidéo, quoi. Quoi? Mais tu n'aurais jamais dû faire ça. Désormais, ton action va rester gravée à tout jamais dans la vidéo Les Vendeurs à très précisément 4 minutes et 11 secondes. C'est grave? Évidemment que c'est grave. Tu viens de modifier l'espace-temps. Tu es en train de faire disjoncter ta chaîne. Et peut-être même, tu risques de supprimer YouTube. Comme tu dis. Donc ça veut dire plus de vidéos de dégustation en couple? Plus de prank? Plus de story time? Non. Bah c'est plutôt bien en fait. Oui, j'avoue. En tous les cas, c'est la merde. Faut qu'on aille se réfugier dans une autre vidéo. Là-bas, la vidéo faire les courses. Allons-y. Ok, ici au moins, on est en sécurité. Sorry guys, je cherche le rayon gluten free s'il vous plaît. Enfin sans gluten, je sais pas si vous parlez anglais. Amazing. Doc, il y a moi qui nous parle là. Il y a le personnage de ma vidéo Les Bilingues qui nous parle. Mon Dieu, je viens de comprendre. L'interférence a mélangé toutes tes vidéos. Et là, là, ce sont tous tes personnages qui se retrouvent bloqués dans l'univers de ta vidéo pour faire les courses. Calme-toi, toi, c'est dimanche. Là. C'est pas vrai. Est-ce que tu reçois mon appel en FaceTime? Ouais, ok. Excuse-moi, j'ai un appel avec mon deuxième téléphone Apple. Hey macho, faut que tu veux que j'accote. Des chicons ou de le cache à date de schnorr? C'est pas des bruits de rôdeur. C'est du ch'timi. Désolé dude, ici c'est pas un Apple Store, hein. C'est plutôt un mix entre une épicerie bio... Un concept store... Un food truck... Une friperie éphémère... Une boucherie vegan... Ou ouais, un supermarché, quoi. Ouais, c'est clairement excellent. J'adore le concept. Parle-leur. Parle-leur. Écoutez-moi bien, ça peut vous sembler bizarre, mais voilà, je suis votre créateur, hein. Vous êtes mes personnages, et je suis venu ici pour vous sauver, d'accord? Attends, je comprends hop là. Moi, je suis pas un personnage, hein. Pour que t'as raconté, je suis pas un personnage, hein. Ah, ne casse pas les couilles, c'est dimanche, là. C'est quoi ce bordel? Dis Siri, analyse-moi la situation, s'il te plaît. Pour qui tu te prends? C'est plutôt toi, l'intrus. Cours! Cours! Cours, Norman! Cours! Oh, c'est ma cachette ici! Ah merde! Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je reste enfermé dans le magasin toute la nuit pour ma vidéo. Ah d'accord. Ok, bon bah je te laisse. Juste, tu pourras lâcher un pouce bleu? On va leur jeter des tomates sur lui! Ouais, ça va les déstabiliser! Tiens! Putain, c'est clairement le bordel! Pas de problème, j'envoie des ondes de Bluetooth. Oh, ouais, le vrai Norman, je comprends un peu! Je te laisse, j'ai une soirée! Oh mon dieu, Merlin! Toutou mon chat, toutou. Allez hop, ça dégage. Ah merde. Cette fois, Norman, je crois que c'est la fin. Et ouais, c'est la fin, mon petit pote. Il va goûter à mon calibre. Et je parle pas de celui que j'ai entre les deux cuisses. Ok, vous êtes des inventions, d'accord? Je vous ai inventé. Rick, toi t'es une parodie. You're a parody. Quoi? J'adore le... Toi, tu vas dire, j'adore le concept? Ouais. Attends, le mec a clairement devancé ce que t'allais dire. Il est clairement dans le turfu, là. C'est excellent. Ouais, je vous ai inventé. Bon, ça, c'est pas un supermarché. C'est seulement un décor, c'est des pixels, regardez. Il bluffe. Doc, montre-leur. Regardez, tous ces gens qui rient. Ah non, pas tous. Oh le bâtard. Si vous me supprimez, ma chaîne sera pas débuguée. Le compteur restera bloqué à 9 999 999. Tant pis, les chiffres sont bloqués, ça m'est égal. Sauf que, ce que vous oubliez, c'est que derrière ces chiffres, eh ben, y a eux. Putain.
Putain, il y a encore plus de monde qu'au Burning Man, quoi. Et eux, moi, j'ai pas envie de les décevoir. Moi, je le crois. Je pose mon gun. À la manière de Cool Chain. Bien dit, ça. Bravo, Norman. C'est bien le cul comme discours, mais ça a fonctionné. Par contre, maintenant, on est toujours dans la merde. Je ne sais pas comment rentrer au labo. Il faut quelque chose qui nous unit tous. Quelque chose qui nous unit tous. Quelque chose qui nous unit tous. Je crois savoir. Un fist ? Faux ! Oui, bien sûr. C'est le faux qui vous unit. Norman ! Norman ! Ça fait 15 minutes qu'on est arrivé. Ah merde ! Ça sent le brûlé, là. Ah oui, ça c'est le problème de ce grippin, c'est qu'il fait aussi... grippin. Tant mieux. Comme ça, au moins, je ressemble à mes grands-pères. Mineurs dans les mines de charbon du nord de la France. On les appelait les gueules noires. On s'en bat les couilles. En tous les cas, on a réussi. Et ça, c'est grâce à l'amour des internautes. Et à toi. Merci, Doc. De rien, Marty. Marty ? Ah oui, non, pardon, Norman. Norman, mes collègues de YouTube ont quelque chose à te remettre. Vous savez quoi ? Je vais pas le prendre. Mes abonnés me suffisent. Oh, encore plus, bravo ! Bon, en fait, je prends quand même. Waouh, 10 millions d'abonnés. Ultime merci à toutes et à tous. Ça me donne envie d'aller encore plus loin sur ma chaîne YouTube. Go to 600 milliards ! Norman, excuse-moi, mais j'ai l'impression que tu t'enflammes un tout petit peu. Ça va, on a le droit d'avoir des rêves.